Donc pour les francophones, eh bien Belzébuth, ils viennent du Québec, ils sont ici en Belgique pour une tournée de 9 jours. Donc si vous appréciez, eh bien ils seront encore mercredi à la maison de la culture de Namur. Ils ont un CD qui s'appelle En faisant semblant de rien, qui sera à vendre juste après dans le premier local ici à droite. Bien, leur musique, c'est de la musique traditionnelle québécoise. Ils sont très sympas, sauf un, mais je ne vous dirai pas lequel. Et voilà, mais en tout cas, ils sont en super forme. Je ne t'emprends sa faucille, je laisse aller la nalidana. Je ne t'emprends sa faucille pour aller couper du jonc. Je ne t'emprends sa faucille, je laisse aller la nalidana. Je ne t'emprends sa faucille pour aller couper du jonc. Il y a un cri. Cinq gars et une fille nous amènent leurs airs traditionnels du Québec, certains calmes, certains plus enlevés. Hey, ça te donne-tu le goût d'y aller voir le show quand oui. Tu lis ça? Un repas chaud et deux sandwichs. Et voilà. Un repas chaud et deux sandwichs. Et voilà. Un coupon pour deux sandwichs. Un repas. Wow. Pour hey, deux repas chauds et deux sandwichs. J'ai le droit à un poulet entier. Québécois avec nous. Ah, ben, vous allez nous apporter quelque chose de différent. Ouais, on espère. Ah, je suis sûr, moi. Ça bien. Fait une semaine que vous êtes en train, non? Oui. Oui. Ça se finit bien, c'est notre dernier ce soir. Puis, ouais. Ça va être bien. Et si vous allez voir, l'ambiance, c'est très familiale, très ouverte, conviviale. C'est un endroit où il n'y a pas trop de monde. S'il y a du monde en famille, de 1500 entrées. Thank you.
un jeune génie en herbe, il s'appelle Diego. Là, c'est le temps. On veut que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Tout le monde s'approche. Merci beaucoup. Avec nous, là, vous autres, votre chambre est en bas, okay. C'est la chambre numéro 1. Puis nous, on va s'installer ici. Mais d'accord, on peut faire tout comme on veut. Puis samedi, la chambre d'en bas est on est 8 lits, on est 6. Je pense que c'est nos problèmes, hein? Mm-hmm. Ouais, et vous faites chacun un instrument? Il y en a un qui chante et les autres. Vous avez beaucoup d'instruments, alors? Oui, oui. Tout le monde joue. En même temps. Ouais. Ben, ouais. On te fera une petite démonstration dans la semaine. Est-ce que vous voulez manger ou... Non. Ça va être plus simple que ça. J'ai travaillé durement aujourd'hui. Ok. Et j'ai un petit creux. Ok, vous allez attendre un petit peu. Là. Donc on vous sert pas de soupe pour l'instant. Ok. Oh, maman, oui. Okay. Oui. Maman, je me suis où il y a... Ah, il y en a déjà une de sa vie, là. Bon appétit. Vous faites un S, appétit. Alors que nous, c'est appétit. Ah, parce que nous, quand ça, on dit des T, on dit des S. Ah oui. Ah, c'est pas dans ça, pas distinct. Non, vous faites un peu plus québécois, disons, plus français. Parce que, mettons, on dit pas... Les dés aussi, on dit pas... On dit pas c'est une dit, on dit c'est une dit. Dit, on dit dit. C'est une dit. C'est du français beaucoup plus amusant. Ah, les chiens se promènent allègrement. Hey, ça danse. Hey, la ronde, là, le cœur, c'est des vrais de celui-là.
nous avons acheté ce bâtiment pour peu d'argent, puisque c'était un bâtiment hanté. Il y avait des fantômes. Alors, nous avons parlé avec des gens, des vieux, et les vieux nous ont dit que les trois générations avant nous ont laissé venir des exorcistes. Le dernier qui a habité le bâtiment, à un certain moment, il a laissé venir un exorciste qui lui a indiqué de mettre une lampe à l'huile derrière la roue. Alors, à un certain moment, il a oublié d'alimenter l'huile. Le feu s'est éteint et la semaine après, il a fait faillite. C'est excellent d'aller enquêter le monde dans le village. Subvention au Philippe. Il sortirait des affaires incroyables, je suis sûr. Philippe est un chercheur, il va souvent voir les vieux pour connaître l'histoire puis savoir. Mais c'est plus du répertoire qu'on va chercher ou présentement il fait une recherche sur les surnoms, etc. Puis il aime ça aller voir les gens puis poser des questions. Puis... Il fait des chansons dessus. Non, mais on va composer un air. L'air des fantômes du Moulin Cuivré. Je vais prendre un petit peu plus de ma voix dans mon moniteur, s'il vous plaît. 2, 1, 2, encore, s'il vous plaît. 1, 2, c'est bon. Pour ma part, je prendrais un petit peu plus de pied. Un petit peu plus. Et ainsi qu'un petit peu plus de violon. Je prendrais du violon, j'en avais pas encore, mais j'en prendrais, s'il te plaît. Les deux? Juste elle. Juste la dame. Peux-tu jouer un petit peu, Marie-Maxime, s'il te plaît? Oui, la basse. Je prendrais aussi un peu plus de pied. Excusez-moi. Peux-tu monter un petit peu la mandoline dans mon moniteur, s'il vous plaît? Une petite valse, ça se retrouve aussi dans le répertoire de la musique traditionnelle. Il y a des rilles, comme on a fait la suite de trois qu'on a fait tout à l'heure, qui est plus rapide parfois. Il y a aussi la valse, alors si jamais ça vous dit, pour une valse des cravates. Thank you.
un 5. Si. J'ai. Ah. Mais j'ai pas de 10. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Merci. Merci. Beau, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Sur le joli mois de mai, la fiancée, etc. Avec le coucou, ça vient d'où? C'est une chanson typique. Ça, c'est, ça vient de Saint-Comte. C'est Clarence Bordelot qui chantait ça. Un vieux de Saint-Comte, il est décédé aujourd'hui. Oui. Par contre, moi, je l'ai appris de Martin Bordelot, qui n'est pas un de ses descendants, mais qui, de Saint-Comte, quand même, chante dans le groupe Hommage aux Aînés. D'accord. Saint-Comte, c'est, mettons, une heure et quart au nord de Montréal. Saint-Côme a été nommé la capitale québécoise de la chanson traditionnelle. C'était vraiment très sympa. J'ai adoré. Merci. Allez, bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Pogne-la ou pogne-la pas. Arrête de jouer. Ouais. Pogne-la ou pogne-la pas, mais... Essaye un autre. Ouais. Vous me brimez dans mon respect. Voilà. C'est ça. C'est bien cela. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'était prévu. On a-tu mangé ou on n'a pas mangé? On a mangé, on part à 9h30. Oui, mais c'est parce qu'il est ici, c'est cher. Je m'en crisse. Ah, mais ça, va avec les autres. Moi, je suis pas gratteux. Philou est gratteux. Vince est gratteux. Jean-Mi est gratteux. Moi, je suis pas gratteux. On part-tu plus tôt? Parce que là, Phil disait on pourrait aller à Bruxelles d'une boulangerie. Ben oui, ça va être écrit boulangerie ici, Bruxelles. Non, ça marche pas de même. Fait. Faut manger avant. Nonobstant, on part à 9h30. Si t'as mangé. Parce que c'est sûr qu'on se perd. Si t'as pas mangé, ta gueule. Oui. On va faire un briefing dans l'autre chambre, tu penses que ça va être efficace. Bon, si t'as mangé, faim, tant pis. Pas tant pis, tant mieux pour toi. Si t'as pas mangé, on mangera quand ça. Quand on pourra. C'est sûr qu'on se perd au moins une demi-heure à Bruxelles. Ça, c'est sûr. Fait que avant le rendez-vous, c'est sûr qu'on paye pas une demi-heure à Bruxelles. Si tu veux une boulangerie, mets ton cadre une heure plus tôt, puis promène-toi ici, puis trouve-en une. Tu vas être heureux d'être en. Si à 9h30 t'as mangé, fine. Parfait. Si t'as pas mangé. comme dirait Jean-Mi, si t'as pas mangé, regarde bien. T'en vis pas. Fait que mets le cadran à l'heure que tu veux. Arrange-toi comme tu veux. Au troc. On part. Avec tout ton stock, ton sac. C'est beau, monsieur. Tes instruments. Fais disposer. Merci. Vous avez compris le principe.
On est sur deux églises. Et juste en arrière de l'échafaud, le nom de rue, tabarnak. Bon, moi, j'ai pas de stop ici, j'ai pas. Non, mais moi je peux pas voir le nom de rue parce qu'il est caché. Vous êtes un endroit, c'est quoi qui se passe ici? C'est comme une mini-rue, genre. Ouais, on est loin là. J'ai bien resté 6 ans tout plus. C'est dans la ville de Québec. Je vivais plus heureux qu'un roi. J'avais ma mignonne avec moi tout le long de la rivière. La belle sans plume, la déesse s'en va se jeter aux genoux de sa mère. Ma mère donnait moins un mari. Je l'aimerai de ma vie comme vous aimez mon père. Comme vous aimez mon père. Ma mère, je n'entends pas cela. Je vis dans la partout avec lui, en Espagne et en Italie. J'irai mourir dans la France. J'irai mourir dans la France. J'irai mourir dans la France. 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 J'irai tout le monde. J'ai préparé l'apéro au jardin, comme ça. Ça va? Ça va? Soyez la bienvenue. C'est mon petit-fils qui joue dans la... Dans le sable? J'ai préparé de sangria. Tout le monde vient? Santé? Moi, ça fait beaucoup de plaisir que vous avez venu. Nuendo, là. Ouais. Il y aura du monde, je pense. Cool. C'est ouvert à tous. On peut acheter des petits cadeaux. Ben non. Ben oui. Bien du Québec. Du Québec? Bien du Québec, fait au Québec. Alors, la maudite. Oh là 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 là, merci beaucoup. Il va tout t'expliquer ça. Ouais. C'est bon. Un grand merci à tout le monde. Thank you.
est très content d'être ici ce soir. On est venu début juillet au festival. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. On a eu la chance d'être hébergé chez des gens. Moi et Philippe, on est hébergés ici. Et puis, on a découvert le bar et tout. Et quand Kuhn a su qu'on revenait en septembre, et puis on a dit que ça serait le fun de faire un spectacle ici. On a tout de suite dit oui, puis tout le monde, je pense, avait hâte à ce soir pour venir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça, acoustique. Je pense que ça sonne bien. Si vous imaginez une grosse fête là, au Québec, un gros party, là, puis que le fun, là, il est pogné, là, ça va vite, là, c'est ça, la prochaine. Nous aussi. On va revenir. La prochaine visite. Moi, je suis très content aussi d'avoir eu votre concert chez nous. Il y avait beaucoup de monde. C'est de bonne publicité pour le bar. C'était très amical en plus. Si jamais c'est au Québec aussi. Ah oui, certainement. Tu me diras pour les bières. Si là, jamais j'y arrive. C'est votre pays, c'est un pays que je veux déjà visiter depuis longtemps. Moi, j'ai une raison de plus. Hein. Et voilà, on est sur la porte sur cette histoire. Finito. J'ai rencontré mamie lundi, j'ai rencontré mamie lundi. J'ai rencontré mamie lundi, j'ai rencontré mamie lundi. Qu'avez-vous à vendre du rôti, oh? Qu'avez-vous à vendre du rôti? Qu'avez-vous à vendre du rôti, oh? Qu'avez-vous à vendre du rôti? Du rôti, du bon rôti au lard. M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? J'ai rencontré mamie le mardi, j'ai rencontré mamie le mardi. J'ai rencontré mamie le mardi, j'ai rencontré mamie le mardi. Qu'avez-vous à vendre des radios? 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 Vendre des radios, du bon rôti au lard. M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? J'ai rencontré mamie le mercredi. 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 Qu'avez-vous à vendre des endives? 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 Des endives, du bon rôti au lard. M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? Ah, m'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours? M'aimez-vous la belle, m'aimerez-vous toujours?